Ça, c'est peut-être un bonheur. L'expérience ne fait pas peur. Hello tout le monde, c'est Seaside en compagnie de... Mister Darkseid, salut à tous. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et j'espère le dernier sur ce jeu. Non, faut jamais dire le dernier, parce qu'à chaque fois le dernier... C'est prévu qu'on court ou... Bon bah tu vois que... Non, c'est pas prévu qu'on court, je pense. Hein, t'es où? Je sais pas. J'ai couru le plus vite possible. Bah ouais, mais le problème c'est bien, mais... Le problème, t'es parti où là? T'as un peu Jean-René en face. Mais Jean-René... Ah ouais, il arrive. Alors, quelle porte aller? Ça va peut-être mieux fermer. Ah non, moi je suis dans l'ombre. Mais il y a plein de portes et tu sais pas par où passer. C'est un beau et grand couloir. Où est-ce qu'il faut aller dans... Ah. Bon. T'aimes pas aller regarder? Oh putain! Bon, il m'a vu! Ouvre cette porte! J'ai l'impression qu'il court pas! C'est pas maintenant qu'il faut que tu me lâches. Allez! On va où comme ça? Je sais pas. Oh ouais. Oh non! Il est où? Arrête, s'il te plaît! Là, on est où là? J'aime pas quand tu me fais ça! Oh la vache, non mais allez, s'il te plaît, aie pitié, s'il te plaît, arrête de me courser. Oh, je crois que c'était l'idée la plus conne que j'ai jamais faite. Oh bah il va m'avoir là. Bah, mec, arrête de me taper. Oula! Il a tout cassé. Bon bah je suis cuite. Il va te défoncer. Ouais je bah pense. Arrête. Bon s'il te plaît Jean-René. Bonjour. Bon ouais. Voilà, il m'a eu. Ça c'est fait, voilà. Ça c'est par où qu'il faut passer? Bah, je sais pas. Vas-y, continue à tout péter encore. T'es pas mort, et bim! T'es pas mort, non, bim! Bon, on est où là? Voilà, là, il arrive. Recommence. Cache-toi. Ouais, en fait, on avait bien fait de se cacher là. Je garde des munitions, on va dire ça comme ça. Parce que dans ce jeu, on n'a pas d'armes, donc notre seule arme, c'est notre caméra. Il est pas loin. Il souffle. Mais je suis sûr, faut aller dans la pièce du fond. Hein. C'est pas bien de défoncer les portes comme ça. T'as fini de tout péter. Putain, je sais que t'es en colère, mais bon. Oh putain, casse les portes, hein, rien à foutre. Le gars, tu sais, en fait, il veut même pas ouvrir une porte, il la défonce en fait. Faudrait juste attendre qu'il aille péter une autre porte. Mais comme ça, on y va, mais sans courir. C'est notre chance. Bon, j'ai dit que j'allais pas courir. Oh non. Ah là-bas. J'y étais. Allez là! Voilà, merci. On est où là? Si, si, ah ouais, on revient. Je reconnais. La fille qui veut rester en haut. Je suis bien là où je suis. Jamais, on est bien là-haut. Hein. Sur le perchoir. Bon. Bon, alors il n'y aura pas d'autres méchants. Bon, ce qu'ils voudront qu'on s'échappe. Pour la dernière fois. Voilà. Ah. Oh bah attends. Pourquoi je vais vers le bas? Bah parce qu'il faut retourner à l'entrée principale. Oh, l'entrée. Ouais mais attends, là c'est pas terminé. Je pense que... Ah. Allez, vas-y. Allez, on retourne dans les profondeurs.
Oh mais non. Eh, je sais pas s'il faudra réellement 26 épisodes pour trouver une autre sortie. Franchement, Joe, à la fin, on en a légèrement marre. On est où, là? Ok. Pour une fois qu'il fait super clair. Bah, c'est une grande surprise. J'adore les chargements dans le jeu. C'est hyper... C'est pas prévisible du tout. Oula, on a atterri dans... Oula, un truc hyper moderne. Tu vois, pour une fois que c'est... Ah, ça fait du bien d'être dans un endroit propre, calme. Propre peut-être pas, mais clair, oui. Alors, c'est quoi cette histoire, là? On est où, là? Regarde la documentation. On a atterri vraiment dans les tréfonds de... Frankenstein. Monsieur, m'écriai-je en dépit de l'orgueil de votre savoir. Comme vous êtes ignorant assez, vous ne savez pas ce que vous dites, furieux et troublé, je me séparai du magistrat et me retire aussitôt chez moi pour réfléchir à un autre moyen d'action. Ouais. Oh bah oui. Hein? Ça a pas duré longtemps. En espérant qu'ils sont pas venus jusqu'ici. Faire des détours et des détours. Je sais pas des portes. Oh. Encore une autre porte. Un de porte again. Ouais, toujours fermer la porte. Ouais. Bon appétit. Donc ils ont trouvé des bactéries là-dedans ou... D'un côté, ça change vachement quand même de... Parce que c'est vrai qu'on se tapait quand même l'asile de fous depuis le départ, et puis c'était toujours un peu les mêmes pièces. Ouais, les c'est mêmes... vrai que là, ça change un peu, c'est vrai que c'est bien. Bon, même si dans l'esprit, ça reste un peu le même délire, mais... Ah. Hop. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Oula. Alors... Autopsie d'un patient Wall Rider. Compris les effets similaires à ceux de l'hormone de croissance humaine, mais aucune trace de création stable d'un essaim. Pense. Bon, je crois qu'il est des... Entre autres, j'ai pas trop suivi là, à la fin. J'ai plus flippé qu'autre chose par rapport au monstre. Donc, c'est plus. Je pense que vraiment leur expérience, elle a un peu. Ouais, ça a pas l'air de bien marcher, comme on dit. Ouais, ça. Comment dire, il y a eu des dérives, voilà. Je cherchais mon mot. Tu n'avais plus le mot en tête. C'est cela. Oh, la sortie. Ah, la lumière du jour. Ce n'est pas si simple, alors. S'il n'y a pas de truc pour se cacher, ici, s'il fait jour... Oh, il y a des belles racines carrées, là. Il n'y a rien ici, là. Je vérifie, hein. Ah. Bon, pourquoi... À quoi elle sert, cette... C'est bizarre de se trouver dans un truc moderne. Bah, moderne. Ouais, y'a pas grand chose ici. Y'a pas mal de pièces qui servent pas grand chose. Ok! Je vais repasser. Je crois pas que c'est une bonne idée. C'est quoi ce bordel? Bon! C'est... Bah voilà quoi! C'est prévu ou c'était pas voilà, prévu? Voilà, il y a eu des bons moments, des mauvais moments, des très mauvais moments. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Oh non! C'était prévu ou... Bah à ton avis, c'est un peu un jeu qui est prévu de bout en bout, donc... Hein?
ce bazar. Ne me veux pas du mal, s'il te plaît. Il est où l'autre, l'œil transparent? Et même faire la même chose Ouais, je pense, ouais. Ah ouais. Ce qui serait juste cool, c'est que tu me laisses sortir. À part ça, tout va bien. Ouais, voilà. Il nous laisse libérer. Ah, c'est par là-bas? D'accord, il y a une note. Mort du soldat. C'est comme ça qu'on meurt, mis en pièce à l'intérieur, regarde. Voilà. Je dois retourner en arrière. Bon, c'est bizarre que tu sois obligé de retourner en arrière. Voilà. Qui me parle? Et... J'entends des voix. Ah. Ah. Ah bah oui. C'est chiant, le vieux. C'est le dernier vie. Elle est où la sortie? Ouais, ouais, j'ai envie de lui demander où est la sortie. Parce que bon, il est sympa votre appartement, enfin je sais pas trop comment on pourrait le dire, mais... C'est qui, Billy? Hein, vous pouvez pas lui dire de pas me taper, comme ça je sors. Ok? Non, pas trop, non. Non, non, on découvre. Oh, une petite fleur. Ouais, toi, t'es pas en très bon état, hein? Non, pas trop, non. Tu vois, on y va tous les deux vers la sortie. Je te laisse passer en premier. Voilà. Nano-usine à production, ouais, voilà. Oui. Quelque chose de si puissant. Ah, mais ils s'en rendent compte que maintenant, en fait, c'est bien. Bah, en fait, il y a eu des dérives, quoi, de leur expérience, c'est tout. Oh non, mais attends, c'est pas mon problème, ça. Anéant tout ce que j'ai fait. Mais pourquoi tu pourrais pas le faire? Ah ouais, en plus... Ah, non, moi, j'ai juste envie de me casser, je m'en fous, hein. Ah, personne ne sortira d'ici tant qu'il... Oh, mais t'es sérieux? Mais c'est quoi ce jeu à rallonge? Je vais le tuer, ouais. C'est par où, mais... Ok, bon, ça veut tout dire. Porte qui s'ouvre au fur et à mesure, tout va. Oh, encore des toilettes, bah dis donc. Ah non, c'est douche. En fait, ils ont créé une expérience et non... Ça a foiré, quoi. Ouais, bah non, on a pas gonflé. Allez, il faut tuer l'autre pour... C'est à moi de le faire, quoi. T'as même pas de remerciements, que dalle. C'est ça. T'es merde, toi. Oh là là, le nombre de portes. Je suis un peu perdu, là. Ah. Ouais. Beaucoup de salles, mais pas grand-chose à l'intérieur. C'est bien vide. Des toilettes qui font ce bruit. Ouais, c'est toi qui bip. Je fais le tour, hein, on sait jamais. Bon là, il se calme au niveau des piles, là, j'ai l'impression. Oh là là. Bon. Bah, les pièces, y en a. Hein. Ok, y a rien. Repièces encore. Oh, ça fume. C'est du frigo. Hop, attends. On ferme parce qu'à la fin, c'est plus qu'on a ouvert. Ok! Ok! C'était prévu? Hein? C'est quoi ce bazar? Hein? D'accord, maintenant c'est vrai, c'est plus un ennemi en chair et en os c'est à qui on doit faire, maintenant c'est une sorte de fantôme dégueulasse. Je ne l'ai compris qu'après en fait. Mais comment je fais? Je pars dans l'autre sens encore? Et on est où là? Bah attends, je sais pas, là faut que je réapparaisse. Hein. Ça a pas l'air de... Y'a quelqu'un? Le jeu aurait-il planté? Ça m'a l'air d'être le cas.
J'adore les jeux qui plantent. Il y a la musique, mais il n'y a rien. Ça a planté. Et il est bourré de bugs, ce jeu. À mon avis, ça a planté. Bon, ok. Bon, on va devoir faire une coupure parce qu'apparemment, ça a pas l'air de décoincer des masses. Donc, on se dit à tout de suite. Alors, re tout le monde, hein, y a eu un beau plantage comme il faut. Et ouais. Et, maintenant, et ok, bon, ça, ouais, il a pas été ça. Trop méchant, il nous a fait réapparaître. Et apparemment, le fait de se faire tuer par le Wall Rider, hein, parce que c'est ça, hein, comment ça s'appelle, ce truc dégueulasse là qui nous a attaqué, eh bien, ça fait friser la console et friser le jeu. Oh, mais on va espérer que maintenant ça va pas planter à chaque fois. Et alors maintenant. Donc, on va aller en face, j'active cette merde. Et comment on fait? Je pars dans l'autre sens. Je sais pas ce que je suis censé faire, mais... Ouais, mais maintenant, il est où, là? Il est derrière moi. Oh, putain! Comment tu sais qu'il était... Et c'est ça qui est pas mal, c'est qu'il te suit. Je ne vois rien. Il faut courir comme ça. Ah bah non. Je sais pas. Oh putain. Ah parce que l'autre il passe à travers, c'est ça le problème. Est-ce qu'on lui dit... A mon avis faut courser comme un dératé. Hein. Y'a que ça à faire. Même si ça c'est... Ah ouais, bon vas-y. Ah ouais d'accord, c'est ça de... Ok, bon, bah là je crois qu'en ce moment c'est plutôt vous courez et puis. Ouais, voilà. Et puis mince. Et pas Alexandre. Ouais, bon, allez, vas-y, c'est encore un délire de. De fou furieux. Ah, parce qu'il faut le voir, c'est ça le problème. Ok. Bon bah... Ah c'est ça! C'est quoi ce truc là? Ah il y a une note. Attendez, il y a une note là. On va peut-être mieux comprendre ce qui se passe. La machine de Wernick, l'assembleur, les chambres d'alimentation, les molécules préliminaires de vagues souvenirs d'articles sur la nanotechnologie que j'ai lu distraitement en ligne, probablement bourré, j'en ai pas retenu assez pour savoir comment la détruire. Tout ce chantier tourne autour de Billy. Faut le trouver et le buter pour en finir. Ouais, c'est ça la Ok, résumé. Faut que je descende en bas. Ah, y'a une pile. Tu vois, encore une pile. Ouais, maintenant les piles. Bon bataillon, hein. Fermez la vanne du réservoir fluide maintien en vie. Et elle est où la vanne? Bonjour. Oula. C'était plutôt le dossier que je voulais à côté. Qui tape comme une bourrin. Boum! On est pas loin, je pense qu'on est pas loin. Je dis ça. Enfin, une visite, tout dommage. Patient capté de survie, moteur. Alimentation électrique, réservoir de fuite de maintien de vie. Ok, d'accord. Groupe électrogène du labo souterrain. Encore un truc électrogène. Le système de sécurité entraînera la mort du bidule machin. Okay. Y'a quoi en haut là? Ah, mais c'est pile. Ça, c'est quoi? Ok, bon, voilà, comme ça, ça rassure. Bon, il y a encore des trucs à. J'ai vu un monsieur là. Bonjour, tu saurais comment arrêter tout ce merdier là? Parce qu'il y en a un peu marre à la force. Ouais, là, ça. Ça dure depuis trop longtemps. C'est ça, ouais. Ce jeu commence à me taper sur les nerfs. Bah oui, un peu de nuit. Réservoir. Sauvegarde. C'est pas bon. Donc il faut désintégrer deux trucs apparemment.
Bah, fermer les vannes, mais alors maintenant lesquelles? Alors. Voilà, on récupère les dossiers. T'as encore des dossiers. Tiens, je laisse un dossier ici. J'ai tellement de temps de lire. Oh, je m'en fous des prophètes. Oh. Alors, y a pas un bouton, un truc. Ah, ça c'est une vanne. Alors maintenant, ça, les conséquences cool. qu'il va avoir. Ne pas tourner la vanne. Ne pas tourner la vanne. Je fais le contraire. Oh putain. Oh pardon. Il est où l'autre? Dans le coin. Très cher ami. Il est où là? Je sais pas où. Ça devient énervant ça aussi. Le truc il passe, on sait pas où. À là-bas en haut. Heureusement ils mettent un gyrophare pour voir la chose parce que. Ah oh, parce que moi j'aurais été. Par où? Là-bas. Sauvegarde. Non. Non. Allez, on va speedrunner la fin là. Speedrunner la fin. Faut tout désintégrer. Oh bah oui. Pourquoi pas plein d'escaliers? Il y a qu'une vanne ou il y a deux vannes? Il y a le groupe électrogène à éteindre et la vanne qu'on a arrêtée. C'est tout? Voilà, ouais. Et après, faudra mettre la main sur le truc et puis c'est bon. Sur le truc? Oh là là, le nombre d'escaliers! Il est pas essoufflé là, ta manière? 3, 2, 1, go! Par où? Oh punaise. Il est où là? Il est derrière. Il est quelque part. Ouvre-toi, Sésame! Voilà. Oh là là, le nombre de trucs. Alors. On va voir ce que c'est, mais maintenant vous voyez hein, les documents, je les lis plus parce que. Ça apporte pas. Je te note. Bon, j'ai récupéré un truc, mais apparemment on s'en fout. Voilà les poumons de Billy Hope, son foie, son système de survie, une machine de la taille d'un terrain de foot pour conserver un cinglé en vie. Faut tout casser, ok. Faut tout casser! Tout péter! Eh bien c'est cool. Yeah! Du coup, un truc qui me fait marrer. Voilà. Donc. Il est pas content, je crois. Ouais, je pense. Je crois qu'il est pas content. Et là, il va te défoncer parce qu'il reste un peu. Et là, faut tout refaire en arrière. Je te vois que je sais plus trop où il faut aller. Bah, avec tous les escaliers en plus qu'on a monté, hein, punaise. Ça a été. Il est où? Oh punaise. Bon bah comme ça on descend plus vite hein. Ouais voilà c'est. Je t'avoue j'avais un peu la flemme de me taper Mais il est. Ah ouais d'accord. Il a fait descendre au plus plus efficace. Bah hein. C'est plus simple hein. Je t'avoue j'avais vachement la flemme de me taper là. Allez vas-y. Allez vas-y vas-y vas-y. Go 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 go. Putain les escaliers sont chiants ici. Il aurait pu mettre un. Ah je suis bloqué. Alors la console elle est où? La console 2. Ça marche pas. Si, ah bon. Si. Ah. Ah. Oula, mince. Et il est encore en vie. C'est prévu. Il est encore en vie, il est encore en vie. Pas mort. Bah il est en train de mourir, donc il se défend. Ah la 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 la. Oh bah là on peut rien faire. Bah là je peux rien, hein. C'est une cinématique. C'est une cinématique. Il est pas mort celui-là, et oh hein. Ah c'est bon. Ah non. En fait c'est pas bon. Ouh là 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 bon, là là. On a fini de le balancer là parce que. Ah je crois que c'est bon. Eh bah quelle journée de merde hein. Ouais bon, le jeu il nous aura eu jusqu'au bout. Hein. Bon bah ça pue la fin là quand même. Hein. Oui. Et ça fait quand même 10 vidéos qu'on dit que c'est bientôt la fin. Ouais. Sortez. Ah.
Bon, bon bah, et puis méchant et plus rien, c'est bon. Ah, je vais vachement aller vite comme ça, ouais, c'est une bonne idée. Oh, mais il a mal, il va crever. Il pourrait jamais sortir. Ah, c'est la fin. Il va mourir. Tu me diras... C'est cool, parce que c'est génial, t'as tout filmé, mais personne n'en saura rien. Voilà, il sera même pas survivant de l'opération. Quelle idée d'y aller quand même, hein. Hein ? Ouais, mec. Tu dis pas ça dans ta tête ? Un peu bête. C'était une idée de merde. Voilà, ouais. Le mec un peu bête sur les bords. Ah non, je vais y aller. Oh non, mais t'as vu comment il va, la vitesse où il va, on n'y arrivera pas. Il va nous clamser avant. C'est toi qui pilote, là ? Ouais, ouais. Et tu sais que c'est là ? Oui, oui. C'est par là. Mais tu dis oui, oui, comme ça. Oh, oui, c'est par là. De toute façon, t'as bien vu, il y avait une cinématique. Donc c'est par là qu'il faut aller. Hein. Allez ! Show must go on ! Show must go on ! Il reste une porte. La porte est si proche, mais si loin. Et le gars, il pourrait venir me chercher, tu vois, en chaise roulante. Ouais, ouais. Oh ! Oh ! Des gens ! Oh bah... Je me suis tellement emmerdé à... Ouais, en fait, tu t'es cassé le cul, mais pour rien, en fait. C'est devenu l'autre. Ah, d'accord. Parce que en tuant le truc, son esprit est entré dans le corps du journaliste, en fait. Ah ouais. Bah là, ils se font tous défoncer, là, en fait. C'est le générique. Yeah, yeah. Désolé pour avoir gueulé, mais enfin quoi. Enfin, ouais. C'est un enfin, soulagement. enfin. Ouais, combien on a terminé ce jeu. C'est combien de temps qu'on est 26 épisodes pour le faire. J'avoue que au tout début, on faisait des épisodes de 15 minutes. C'est peut-être pour ça aussi qu'on que ça a pris autant de temps. Mais enfin de savoir qu'on a terminé le jeu, on est allé jusqu'au bout, c'est un exploit. Surtout, ouais, ça fait du bien de se dire, je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce jeu. Enfin, ouais. Je sais pas comment le dire, mais je n'y rejouerai plus. Hein, j'aurais joué une fois, ça m'a suffi, j'y rejouerai pas. Pas deux. Voilà, bon bah je suis contente parce que je commençais un peu, je vous avouais, en avoir un peu marre du jeu. On tourne vraiment en rond à la fin. Ouais, bah, surtout peut-être aussi on n'a pas trop fait gaffe, il y a certains qui disent que le scénario, le background derrière est très important, mais si vous voulez, à la fin on récupère pas tous les documents, on filme pas tout ce qu'il y a dans le jeu. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir toutes les notes qu'on doit avoir dans le fameux inventaire, ce qui fait qu'on passe à côté de certaines informations. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu une expérience qui a été faite, voilà, il y a eu des dérives, et voilà, en fait, l'esprit a tué un peu tout le monde dans la base, donc... Enfin, ça ressemble à une grosse base militaire en dessous, enfin, c'est extrêmement bizarre. C'est un peu bizarre, donc voilà. Bon. Bah, il y a eu des sacrés moments de frayeur, donc ça fait un... Ça fait du bien de se dire que c'est bon, c'est terminé. Ça pique les yeux. Ça pique les yeux. Bon, bah voilà, je ferai pas de test sur ce jeu parce que voilà, il y a pas de test à faire, c'est un jeu qui fait peur, c'est tout. C'est le genre de jeu. Mais c'est résumé. Ça. Non, mais bah, voilà, à part ça, bon, ouais, si vous voulez, il y a rien quoi. Enfin, c'est un jeu qui est bien fait. Je dis pas le contraire parce que voilà, au niveau de la musique d'ambiance, des sons d'ambiance, ouais, c'est relativement bien fait, parce que si c'était mal fait, on n'aurait pas eu peur, ce qui n'est pas le cas, là, on a eu vraiment peur à certains passages, on a eu des, voilà, des moments où on a eu vraiment des gros coups de stress. Après, je pense que si on s'amuse à refaire le jeu une deuxième fois, une troisième fois, je pense que là, on n'aura plus du tout la crainte ou le stress qu'on avait pu avoir la première fois qu'on a fait le jeu. Ouais. Parce que là, voilà, ça, ce genre de recette, ça ne marche qu'une fois. Bah, là, oui, voilà, là j'ai fini, je vois aucun intérêt de le refaire. À part, voilà, vous pouvez voir, par exemple, il y a certaines personnes qui s'amusent à faire des speedruns dessus. C'est-à-dire, ils courent, ils courent, ils courent, ils essayent de finir le jeu le plus vite possible. Voilà.
Donc, en fait, l'autre but, c'est ça, c'est de speedrunner le truc. Mais bon, moi, je vois pas trop l'intérêt. Moi, je me dis que j'ai terminé le jeu. Voilà, ouais. Je vais pas faire plus. Et bon, bah, en tout cas, bah, le gars est mort à la fin. J'aime bien, il y a un truc qui est marqué dans le générique, à nos familles et à nos supporters. Ouais. C'est un jeu un peu étrange, quand même. Ouais. Hein. Voilà, c'est pas à mettre entre les mains de n'importe quelle personne. Et puis, bah voilà, je ferai pas de test sur ce jeu, parce que je pense que la majeure partie des vidéos vous montre un peu les réactions que vous pouvez avoir en direct. Alors après, c'est un jeu qu'il faut pas non plus se spoiler avant de le faire. Parce que sinon, voilà, on se spoil les parties, je vois pas l'intérêt, quoi. Autant pas faire le jeu et de regarder que les vidéos sur ce jeu. Parce que voilà, si on se fait spoiler, c'est un jeu ultra scripté, et puis bah voilà, dès le moment où on s'est fait spoiler, bah y a plus du tout d'intérêt, quoi. Bah oui, nous on a été spoilés, donc au moins c'était clair. Bon bah voilà, chose de faite, hein. Voilà, on boucle le chapitre Outlast. On n'y remettra plus jamais les pieds. Non. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié de nous suivre durant cette aventure. Si vous êtes bien marré, si vous n'êtes pas trop ennuyé. Bon, bah, en tout cas, bah, Darkside et moi, on vous dit à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut! Salut!